Robert Smith avec entre autres Simon Gallup à la basse. Voilà, et puis le batteur actuel du groupe. Donc là c'était pour, on va retrouver tout à l'heure un extrait encore de la session des Cure, mais entre temps, Robert Smith s'est confié à toi Marco, il a ouvert son cœur. Son cœur. Sa bouche. Ouais, oui, oui. Faut rappeler donc que ça se passait dans les salons d'un bel hôtel parisien, donc un lieu un petit peu impersonnel, et je l'ai senti un petit peu grognon sur la session acoustique. Robert Smith, il n'était pas très très content. Je lui ai demandé tout simplement, bah qu'est-ce qui se passe, t'es pas satisfait de ce que tu viens de faire? No, my voice is a bit fucked today. Non, c'est parce que ma voix est un peu foutue aujourd'hui. Je suis sorti hier, mais c'est bizarre de jouer en acoustique. On n'a pas vraiment l'habitude. Et puis c'est un peu inconfortable pour moi. Ça ne me dérange pas de jouer tout seul, mais c'est toujours difficile d'imaginer un public qui n'est pas là. Et puis c'est sympa de jouer acoustique dans un joli décor. Si, c'est un peu gênant, un peu difficile. Mais ça va, de toute façon, je n'aurais pas dû sortir hier soir. It's nice when we're sort of in a nice environment, we play acoustically, but it's kind of a bit awkward to do that. No, it's okay. I shouldn't have gone out. Voilà, Robert Smith qui était un petit peu fatigué, mais il avait quand même des motifs de satisfaction, Robert Smith, parce que il venait de sortir donc un nouvel album tout simplement appelé The Cure, ouais. Et un vrai succès critique et public pour cet album. Alors, est-ce qu'il a été un petit peu surpris par ce très très bon accueil de leur nouvel album? Yeah, it's quite surprising because it starts, the first kind of 10 minutes of the album is pretty heavy going actually. Oui, c'est assez surprenant parce que les 10 premières minutes de l'album sont assez difficiles d'accès. Je pense qu'après il y a suffisamment de bonnes chansons pour que les gens y trouvent leur compte et l'apprécient. Et puis je pense qu'il y a sur l'album une vraie présence, un vrai groove, des vibes un peu spéciales. J'espérais que les gens l'apprécieraient, mais quand je fais quelque chose, je ne m'inquiète jamais de la façon dont ça va être perçu. Parce que sinon, tu deviens fou si tu essaies de deviner la réaction des gens. Je l'ai fait écouter à des gens en qui j'ai confiance et la plupart l'ont aimé. I played it to some people whose opinion I trust, and most of them liked it. Voilà, donc plutôt surpris par l'accueil. Agréablement surpris. Ouais, exactement. En tout cas, je lui ai demandé également si il essaye pas de deviner ce que les gens attendent de The Cure, mais est-ce qu'une fois que l'album est sorti, est-ce qu'il fait vraiment attention aux critiques des journalistes? Non, mais pas. Non, pas quand elles sont mauvaises. I mean, right from the very beginning, when you start to meet journalists. En fait, depuis le début, je pense que quand tu rencontres pour la première fois des journalistes, tu t'aperçois que leur opinion, ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Même si le fait d'écrire pour des magazines, dans des journaux, de parler à la radio ou à la télévision, ça leur donne une voix plus forte, ça donne plus de poids à leur opinion. Ce serait stupide de ma part de penser qu'on puisse créer quelque chose sans donner le droit aux autres de le critiquer. And for someone not to criticize it. I mean, sometimes I think we endure unnecessary criticism. Parfois, je me dis quand même qu'on a à supporter une critique qui n'est pas nécessaire. The Cure, en tant que groupe, est souvent critiqué sur la simple base de mon look. Quand on a fait l'album Wild Mood Swings en 96, les critiques étaient très mauvaises, mais elles tournaient toutes autour de moi. Elles n'avaient aucun rapport avec l'album. C'est ce qui m'a fait plaisir sur ce nouveau disque. Dans la plupart des cas, c'est l'album qui a été analysé. Je pense que ça vient du fait qu'on a travaillé avec Russ Robinson et que tout le monde se demandait comment ça allait sonner. On se foutait de savoir si j'allais porter ou non du maquillage. L'important, c'était les chansons. Voilà, et donc il vient de parler, Robert Smith, de Russ Robinson. Ouais, le c'est le producteur du nouvel album de The Cure, un producteur qu'on connaît comme étant l'inventeur du son du néo-métal, c'est-à-dire Slipknot, Korn et compagnie. C'était une vraie surprise d'entendre que Russ Robinson allait travailler avec The Cure. Russ Robinson est un grand fan de The Cure. Il a toujours dit que son rêve le plus cher, c'était de travailler avec The Cure. Ça y est, c'est fait, mais on peut se demander comment les deux se sont rencontrés, Robert Smith et Russ Robinson, et qu'est-ce qui leur a donné envie de travailler ensemble. I'd met him before, a couple of times. He had made a point of meeting me. Je l'avais déjà rencontré une ou deux fois. En fait, il avait tenu à me rencontrer pour me suggérer qu'on travaille ensemble. J'étais au courant de son travail sur le premier album de Korn parce que je l'avais acheté, et puis sur l'album de Vexred que je trouve fantastique. C'est les deux albums qui m'ont permis de découvrir son travail. Sinon, j'avais déjà entendu Slipknot, Amen, At The Drive-In, même si je n'avais pas les albums, j'y avais déjà jeté une oreille. Et puis aussi l'album de The Blood Brothers qu'il a fait juste avant le nôtre et qui est complètement déjanté. Yeah, I mean, and The Blood Brothers actually was the thing he did just before The Cure, which is completely manic record. Yeah, so
Je me demandais ce qu'il pourrait nous apporter, mais en parlant avec lui très vite, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas l'intention de changer The Cure. Il avait l'intention en fait de nous faire sonner encore plus comme The Cure. Peut-être plus que je ne l'aurais moi-même imaginé. Si j'avais été seul aux commandes, cet album aurait sonné différemment. Robert Smith en interview sur WeFM ce soir, et puis en session aussi. Et oui, ils ont joué pour nous, oui. On continue cette session avec... ça devait faire quelque chose de se voir en face de Robert Smith et de Cure quand ils ont joué ce morceau qu'on va entendre. Ouais, c'était assez curieux parce qu'on était trois dans la salle en face de trois Cure qui jouaient un titre qu'on connaît par cœur depuis qu'on est ado. C'était Boys Don't Cry. Encore avec nous pour la suite de l'interview. Oui, tout à fait. Bah écoute, on a parlé un petit peu du producteur Ross Robinson. Il semblerait que Ross Robinson ait demandé à Cure d'adopter une nouvelle manière d'enregistrer quasiment live en fait, d'une traite, voilà, quasiment rien en réenregistré, vraiment tous dans la pièce. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis le premier album. Alors un nouveau producteur, un producteur totalement extérieur au monde de Cure, et puis une nouvelle façon d'enregistrer. Ça, c'est vraiment les deux grosses nouveautés sur ce nouvel album de The Cure. En tout cas, c'est Robert Smith qui nous en parle un petit peu. It was the only, it's really the only constraint Ross Robinson put on us as a band. C'est vraiment la seule contrainte que Ross Robinson nous a imposée. Il m'a laissé une totale liberté sur tout l'aspect créatif, les paroles, la musique. Au niveau du son, il nous a fait des suggestions sur les amplis à utiliser, les guitares, la façon d'enregistrer. Et c'est une aide qui nous a été précieuse. La plupart des sons sur l'album résultent des manipulations de Ross sur ce qu'on était en train de faire. Mais je pense que la chose la plus importante qu'il ait faite, c'est qu'il voulait capturer le son du groupe live.
Ils refusaient catégoriquement d'enregistrer d'une autre manière. Et si j'avais refusé, on n'aurait pas fait l'album ensemble. Et encore une fois, j'étais assez curieux d'entendre le résultat. Et j'ai trouvé l'expérience fantastique. À différents degrés, les membres du groupe ont aimé ou pas l'expérience. And I was just intrigued as to how different it would be. As an experience, I found it fantastic. I mean, to varying degrees, the band enjoyed it or didn't enjoy it. And Ross's idea was basically that I would lead the band with my voice, as I do when we're on stage. So l'idée de base de Ross, c'est que j'allais guider le groupe avec ma voix, comme je le fais sur scène. Et on a abordé chaque jour d'enregistrement comme un concert. C'était la grosse différence. Et c'est pour ça que j'ai apprécié l'expérience. J'avais l'impression qu'on était toujours en train de faire quelque chose. Souvent en studio, t'as besoin de prendre du recul pour te rappeler ce que tu fais. Alors pendant l'enregistrement, Ross nous disait, quand vous enregistrez cette chanson, c'est comme si vous étiez en train de la jouer devant la plus grande audience que vous n'ayez jamais eue. Des milliers et des milliers de gens vont écouter ce que vous faites en ce moment. Et ça paraît évident, mais ce n'est pas quelque chose auquel tu penses quand tu es en studio. Tu es la plupart du temps dans un environnement aseptisé et ton seul souci, c'est d'en finir. Donc en fait, Ross se concentrait totalement sur notre façon de jouer, il restait avec nous dans la pièce et décidait que la prise était dans la boîte seulement quand il le ressentait vraiment. C'est lui qui avait le dernier mot. Il y a plein de fois, je me demandais pourquoi on les refaisait, parce que pour moi, les prises étaient bonnes. Mais quand on le faisait, et qu'à la fin, il était satisfait, on comprenait pourquoi il était satisfait. Quand on finissait une prise, on sentait tous que c'était la bonne. On n'aurait pas pu faire cet album sans Ross. Voilà, et donc Ross Robinson qui a imposé à The Cure d'enregistrer quasiment live. Alors moi, je me rappelais d'avoir lu une interview de The Cure où Robert Smith se souvenait de l'enregistrement du tout premier album de The Cure. Et justement, c'est l'unique fois jusqu'à ce nouvel album, c'est l'unique fois où ils avaient enregistré quasiment en conditions directes, et c'est quelque chose qui lui avait pas, mais alors pas du tout plu. I've just written the booklet for or co-written the booklet with Johnny Black for the reissue of Three Imaginary Boys, which comes out next month. J'ai lu les notes écrites par Johnny Black pour la pochette de la réédition de Three Imaginary Boys qui sortira dans quelques semaines. J'ai lu les premières versions la semaine dernière et j'ai trouvé que mes souvenirs étaient un peu trop sévères par rapport à la réalité. Parce que finalement, c'était assez excitant de faire le premier album, comme pour n'importe quel groupe. Nous étions en studio en train de faire un album, c'était incroyable. Nous n'avions que 5 jours pour le faire. En fait, nous avions 5 nuit pour l'enregistrer et le mixer. J'étais mécontent de certains aspects, je sentais que je n'avais pas assez de contrôle. En fait, c'est le seul album que nous n'avons pas payé nous-mêmes. C'est Fiction, notre label, qui avait avancé l'argent. Donc c'était eux qui avaient le dernier mot. Il y avait les chansons, mais ils ont choisi l'ordre, ils en ont laissé de côté, qui auraient dû être sur l'album, mais ils en ont mis d'autres qui n'auraient pas dû être. It's funny actually going back and listening to the outtakes which I've put on an extras disc with Three Imaginary Boys of some of the stuff we were doing in the studio. C'est drôle parce que quand tu écoutes les titres qui se retrouveront dans un mois sur le CD bonus de Three Imaginary Boys, on aurait pu aller dans une toute autre direction. Et c'est plutôt une bonne chose qu'on ne l'ait pas fait. L'album a un son très distinct et curieusement, je l'aime bien maintenant. J'ai grandi en me faisant à l'idée que c'était notre premier album. Parce que honnêtement, au fond de moi, j'ai toujours considéré 17 Seconds comme le véritable premier album de Cure, parce que c'est le moment où j'ai senti qu'on devenait un groupe, on commençait à créer quelque chose dont j'étais fier, dont je me sentais proche. Le premier album, c'est nous trois, formant un groupe alors qu'on était au lycée, jouant des chansons dans des pubs. Et même quand on était en train de faire l'album, il y avait certaines chansons dont je n'étais pas satisfait, comme Object ou So What, et je les aurais laissées de côté. Mais bon, de toute façon, ça aurait été bénéfique si j'avais agi différemment sur de nombreux points. Si j'avais moins bu à l'époque, par exemple. The benefit of hindsight, I do a lot of things differently. I drink less for a start. On a parlé donc de l'arrivée d'un nouveau producteur dans le monde de The Cure, Ross Robinson. On a parlé de l'arrivée d'une nouvelle méthode de travail, l'enregistrement en conditions directes, quasiment live dans le studio. Tout ça, ça fait beaucoup de nouveautés pour The Cure. Et pourtant, à la sortie de l'album, Robert Smith annonçait à qui voulait bien l'entendre que finalement, cet album de The Cure, c'était le plus représentatif. Si les gens qui écoutaient cet album ne l'aimaient pas, eh ben, il y a de grandes chances pour qu'ils n'aiment pas The Cure. Le reste, alors, il y a quand même une contradiction entre finalement toutes ces nouveautés et un album très représentatif. Pourquoi il a caractérisé ce nouveau The Cure comme ça? I think it's because it's kind of, it's unadorned. C'est parce que c'est sans fioritures, c'est juste nous en train de jouer. Il y a à tout casser 5 overdubs sur tout l'album, ce qui pour nous est assez incroyable. Normalement, on couche la chanson sur bande et je peux pas m'empêcher d'y ajouter ou d'enlever des choses jusqu'à ce que ça ressemble à ce que j'ai en tête. Avec cet album, c'est juste le groupe en train de jouer, c'est pour ça que c'est l'album qui ressemble le plus à The Cure et c'est pour ça qu'on l'a appelé The Cure.
On aurait eu un petit public, ça aurait été un album live. Et donc un nouvel album de The Cure, tout simplement intitulé The Cure, qui a connu un vrai succès critique et public. Alors on s'est dit, il y a des gens qui vont croire, alors qu'ils n'étaient jamais partis, il y a des gens qui vont croire que The Cure revient, que c'est le comeback de The Cure, alors que finalement, effectivement, ils étaient jamais partis. En fait, curieusement, c'est en Angleterre que ce phénomène est arrivé. Ouais. I think the only place that's true is the UK, actually. En fait, je crois que le seul endroit où c'est vrai, c'est en Angleterre, parce que les médias s'intéressent de nouveau à nous. Par exemple, avec MTV qui nous consacre à MTV Icon et qui recommence à programmer nos clips. Donc, c'est vrai qu'en Angleterre, on pourrait croire que The Cure est de retour. Mais aux États-Unis, quand on était en tournée pour l'album Blood Flowers, en 2000, on a joué devant plus de personnes qu'aujourd'hui en 2004. Et cet album, Blood Flowers, a été nominé pour un Grammy dans la catégorie Best Alternative Album. Donc, on ne peut pas dire qu'on était parti puis revenu. Je pense qu'il y a eu ce fossé de 4 ans entre les deux albums studio, même si on a fait le film Trilogy et sorti un best-of. Et cet intervalle de 4 ans, ça a permis à une nouvelle génération de découvrir The Cure. On a pris conscience de ça pendant la dernière tournée aux États-Unis où le public était vraiment jeune. Donc l'Angleterre, qui avait un petit peu oublié The Cure. Oui, nul n'est prophète en son pays. Exactement, nul n'est prophète en son pays, c'est le cas de le dire, parce que pour le coup, l'Angleterre, effectivement, ils viennent de là-bas, The Cure. L'Angleterre, ça se passe pas très bien entre. C'est pas vraiment une histoire d'amour entre The Cure et l'Angleterre. Well, the UK is just the most obvious example because we went very far down the pecking order in the UK. L'Angleterre, c'est l'exemple le plus évident parce que nous sommes tombés très bas là-bas. On n'a joué seulement que deux concerts en Angleterre ces quatre dernières années. Les personnes qui nous aiment en Angleterre nous adorent, mais la plupart des gens ne nous aiment pas en fait. Le fait que les gens aient l'impression d'un comeback de The Cure, c'est peut-être parce qu'on a fait un long break et les gens ont cru qu'on avait splitté. Mais j'aime l'idée de faire des breaks entre nos différents projets, ça nous permet de rester enthousiastes. Entre 1979 et 1993, on n'a pas fait une seule pause. Il n'y a eu qu'une seule année où on n'a pas sorti d'album, c'était en 88. Dans tout ce temps, c'était plutôt bien rempli. Si on avait continué comme ça, sur ce rythme, aujourd'hui je serais fou ou mort. 1988, I mean, if I was still doing that now, I think I would be either like insane or dead. Or, you know. Et puis ça n'aurait pas été naturel pour moi. Je n'ai jamais considéré The Cure comme une carrière. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire avec plaisir. Donc le prochain album sera peut-être pour dans un an ou dans 10 ans. Je m'inquiète pas pour ça. Et puis cette histoire de retour de The Cure vient aussi du fait que je n'arrêtais pas d'annoncer que c'était la fin du groupe. Et les gens ont peut-être pensé que c'était vrai. Mais j'ai dit ça parce que je voulais que chaque personne dans le groupe pense que cet album pouvait très bien être le dernier. Ce qui donne un sentiment d'urgence. Il y aura bien, de toute façon, un album qui sera le dernier. Personnellement, je pensais que le film Trilogy serait la dernière création de The Cure. C'est pour ça que je suis très heureux qu'on ait réussi à faire un album de plus. I thought Trilogy film would be the last thing that this band did. So I'm pleased that we've managed to make one more record.